Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gâteau à la noix de coco et pépites de chocolat. Pour les gâteaux, il nous faudra 80 ml d'huile de tournesol, 100 ml de lait, 50 g de pépites de chocolat, 40 g de coco râpé, un sachet de sucre vanillé, 11 g de lait biochimique, 2 œufs, une pincée de sel, 120 g de sucre et 120 g de farine. Et on va commencer. Dans un coup de poule, on va ajouter les deux œufs. On va commencer à battre avec l'évateur électrique. On va attendre que les œufs soient mousseux pour ajouter les sucres. Et on va continuer à battre pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes après, on peut ajouter l'huile et le lait. On va ajouter la farine et la levure chimique en la tamisant. On va battre jusqu'à intégrer tous les ingrédients. À la fin, on ajoute la noix de coco. Quand tout est bien homogène, on va finir pour ajouter les pépites de chocolat. Dans un moule de 20 cm, on va les chémisser de beurre. On va verser la préparation. Moi, j'oubliais les pépites de chocolat, c'est pour ça que je vais les ajouter à la fin. On le met au four 45 minutes à 180 degrés pour vérifier la cuisson. Vous plantez un couteau. Si les couteaux sortent secs, le gâteau est prêt. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez voir, le gâteau il est très moelleux, il est délicieux avec un goût coco incroyable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra dans les prochaines vidéos. Bye!